Vous êtes un des responsables. Non, monsieur. Alors, non, mais eh bien, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous, on compte sur vous. Nous, on est content que vous soyez là, mais vous nous dites que je ne peux rien faire. Mais je ne vous ai pas dit que je ne peux rien faire. Il faut se réapproprier nos quartiers. Il faut se réapproprier la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on a une démocratie des représentants. Et ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous. Nous, on veut. Moi, ce que je veux, c'est que nous, on se représente nous-mêmes. Et que si, parce que si on fait ça, si on se représente nous-mêmes, si on va dans des assemblées, si on est tiré au sort pour être président, si on se réapproprie notre quartier, eh ben on ne jettera plus des papiers dans la rue, parce que ce sera notre rue. C'est nous pour quelle raison aujourd'hui vous avez fait ce type d'action là dans la rue Thiers? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que notre quotidien est dégradé. Alors on passait avant toucher le fond, mais sans cesse le quotidien se dégrade. La rue se dégrade. Il y a beaucoup de problèmes dans cette rue et dans le quartier. Donc on est arrivé à une telle exaspération qu'il a suffi que je dise, je vous écris la pétition par exemple, on a commencé par une pétition, j'ai été la secrétaire, je l'ai donnée à un ou deux commerçants et on a recueilli 120 signatures. Alors, vous parlez de problèmes, concrètement les problèmes c'est quoi exactement? Les problèmes. D'abord on a commencé par les problèmes de la rue. Ça veut dire, bon c'est vrai qu'on a des gros problèmes de propreté, on a des gros problèmes par rapport aux voitures qui se garent, c'est interdit de se garer.